Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H-Macdom de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire, j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable. Tu vois? Une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui, il le veut. Je devais voyager aux États-Unis il y a déjà 2 jours. J'ai décalé. Tu vois, j'ai décalé pour pouvoir partir demain. On ne sait pas pourquoi on s'est dit on a décalé, tu vois. Comme par hasard, l'autre il sort de prison, etc. Il entend l'histoire, il tombe sur le reportage de W9, à cœur ouvert, là, le reportage qu'ils ont fait sur Rome. Il tombe de ça en sortant de prison, etc., etc. Il apprend l'affaire de Booba, ce qui se passe. Il décide d'en faire une affaire personnelle. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je suis. Voilà, on est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Tu vois? Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête. Ça y est, il faut l'arrêter. Ça suffit. Ça suffit. Il doit comprendre. Je t'ai dit ça, cette histoire-là. Je lui ai dit, moi. Je lui ai dit que moi, j'ai pas besoin de. Je t'ai pas sollicité, etc. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit laisse ça. Il m'a dit tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça. Chacun son métier, chacun ses qualités. Tu as tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous on a d'autres qualités. Et on va s'en occuper et c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, on peut te rendre service, tout comme tu peux nous rendre service sur d'autres plans, sur d'autres trucs. On peut s'entraider dans d'autres trucs. Aujourd'hui, tu as une bonne image. Tu es très gros ici, dans tel pays, etc. Mais il m'a fait comprendre, etc. Mais il m'a fait comprendre clairement. Il m'a fait comprendre clairement qu'éventuellement, si je peux l'aider sur quelque chose, etc. Je lui ai dit, si je peux t'aider sur un truc, je sais pas, si je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vois, je veux pas rentrer dans une histoire de pompier pyromane. J'ai parlé clair avec lui. De être redevable sur des trucs, de machin, etc. Je suis pas dans ça. Booba, je peux m'en occuper moi-même au Maroc. Ils m'ont dit, laisse ça. J'en fais une affaire personnelle. Il n'y a pas d'argent entre nous. Il a dit, jamais tu auras des histoires avec moi. Regarde-moi dans les yeux. Jamais tu auras des histoires avec un mec comme moi. Jamais. Je mange pas de ce pain-là. Il m'a dit ça comme ça. Après, est-ce qu'il rusait? Est-ce qu'il était en train de me faire tourner en bourrique? Dieu seul.